Celui qui vous regarde dans les yeux. Eh oui, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, le collectif Trash vient de se disloquer. Avec la sortie d'ICO hier, donc le 8 novembre 2019, et aujourd'hui, le 9 novembre, la sortie de Brunol, ainsi que Silver, Elena et Mage, le collectif Trash ne tient plus qu'à un fil. On sent que bientôt, ce sera la fin. Sera une page qui se tourne dans les YouTube francophones. Donc je propose une minute de silence pour faire hommage à Trash, cette chaîne que tout le monde a connue. Avec du bruit, bien sûr. Sinon, c'est pas une minute de silence, il n'y a pas de bruit. Un jour, certaines journées, en ce jour de... Je crois que c'était ouais, en 2015 à peu près, eh bien... J'ai créé le collectif Trash avec Neoxys, oui, qui est connu, bon, rappelez-vous de ce même, Primo, non, c'était quoi déjà, oui, Primo Cryogre, Mink Grodon, Mega Rakaza Touchani. Et oui, Primo Cryogre, vous vous rappelez de ça? Ça, c'était l'origine de tout. C'est comme ça que le monde fut créé. Et bien, ensuite, avec Ico et l'autre con, comment il s'appelle, oui, Brunol, voilà, que d'ailleurs, non, je vais bientôt participer à son tournoi de Smash Bros, hein, il faut le savoir. Et bien, c'est comme ça que Trash fut créé. Et c'est assez important à savoir. Et un peu plus tard, un certain Trasher du nom de Lopok, que vous connaissez très certainement, est arrivé. Seulement, Pollock, mon double maléfique, l'a suicidé pour qu'il sorte du collectif. Il est donc rené en dehors, enfin il a donc renaquis à l'extérieur du collectif. Je sais, ça peut paraître dur à avaler, mais c'est pourtant comme ça. Donc maintenant, c'est très la tristesse, car maintenant Trash n'existe plus, du moins quasiment plus. En tout cas, par contre, faudra vraiment expliquer. Pourquoi est-ce que Astronogeek a été banni dans les mots-clés? Non, sincèrement, c'est quoi le rapport? Quand un bit moderne, bon, il a eu des rapports avec Trash. Enfin, non, c'est bizarre d'être comme ça. Mais bon, enfin, vous voyez quoi. Ah, il a fait des feats avec Didi Chandouille, si je me rappelle bien. Enfin, bref. Mais alors, Astronogeek, je vois absolument pas le rapport. Mais bon. Et d'ailleurs, c'est un autre truc qui m'a fait rire, c'est que Clidéon, il est banni dans sa vidéo, n'a pas parlé de Clidéon. C'est marrant ça. Parce que je sais même plus ce qui s'était passé avec lui. En gros, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, on l'aimait pas. Et du coup, il s'est fait défoncer par tout le monde. Et à la fin, il s'est cassé parce qu'il en avait marre. En même temps, Clidéon, c'est une victime. Enfin bref, faut dire ce qu'il est. Clidéon, c'est une victime. Et du coup, il est mort. Enfin non, il est pas mort. Vu qu'il a en fait sa chaîne sur Paradox. Et malheureusement, c'est pas Paradox qui fait Europa Universalis. C'est pas le même truc. Enfin, c'est pas moi quand je pense Paradox, je pense Crusader King, Europa Universalis, Heart of Iron. Mais non, là c'est le paradoxe de Clidéon, genre le truc avec moins de budget quoi. Enfin bref. Donc bon. Donc il y a eu aussi Étagère, hein, je récapitule. Il y a eu Popcorn, il y a eu qui d'autre, Léo aussi, Léo Teshmaki. Hein, vous connaissez ce fameux Teshmaki qui a d'ailleurs une très mauvaise vue, hein, je veux dire. Il avait dit quoi, c'est un truc, je crois, moins 3,5, moins 4. Genre, c'est quoi cette vue nulle qu'on peut... Genre, mais moi j'ai quoi, moi je crois que j'ai 7 et 6 ou un truc comme ça. Alors quand même, merde. Bon, moi vu que je pouvais me... En fait, c'était 5 minutes de silence pour Trash, du coup. 5 minutes et pas une, car oui, en fait c'était en réalité un prank. Et oui, oh tiens, il y a eu une notification en Discord. Bon, moi je vais bientôt partir en tournoi Smash Bros dans le truc de Brunol, justement. Et Rip Trash pour ses 10 ans passés. Et oui, car comme tout le monde le sait, 2019 moins 2016 ou 2015, ça fait 10. Hein, vous avez vu, je suis trop fort en maths. Donc. Je l'ai connu quand j'étais en 6ème, voilà. Bon, quant à moi, je vous dis salut à tous, abonnez-vous à ma chaîne principale, et Rip Trash, salut.